aujourd'hui devant les marches de cette magnifique chapelle qui s'appelle Notre-Dame de Consolation et se trouve rue Jean Goujon à Paris, où le 4 mai 1897 a eu lieu un terrible incendie, l'incendie d'une vente de charité ultramondaine. Et c'est la toile de fond de mon roman, La Part des Flammes. Cet incendie, dans cette vente de charité, les gens à l'époque avaient eu l'idée de regrouper, l'idée brillantissime de regrouper toutes les ventes de charité au même endroit pendant quelques jours et de demander à des dames de la très haute société d'officier comme vendeuse derrière des comptoirs. Donc ça en faisait un des événements clés de la saison mondaine. Sauf que cette année-là, en 1897, ils ont décidé de, parmi les attractions, proposer un cinématographe, un des premiers cinématographes, et que les projectionnistes ont malencontreusement mis le feu à tout l'édifice qui a brûlé en moins d'un quart d'heure. J'ai eu envie de m'intéresser à cette histoire et d'écrire un roman sur cette histoire parce que c'est une époque où la condition des femmes était terrible, une des pires époques pour la femme en fait, une époque où on lui retire toutes les libertés acquises dans les siècles précédents, et que ce fait divers cristallise cette condition des femmes dans la mesure où il y a eu une majorité de victimes féminines, ce qui était assez logique puisque c'était une vente de charité où il y avait une majorité de femmes, mais que la presse et l'opinion publique dans son entier se sont réjouis de ce sacrifice de toutes ces Jeanne d'Arc. Ce qui aujourd'hui nous paraît assez choquant, mais la femme à l'époque était censée représenter le salut de l'homme. Et donc si elle était sacrifiée, en particulier dans la fleur de l'âge, c'était encore mieux. Ce qui m'intéressait, c'était de plonger des personnages de fiction dans cette histoire, en particulier des femmes. Et donc j'ai plusieurs héroïnes. L'une est une jeune veuve, enfin jeune, elle a une quarantaine d'années. Pour l'époque, c'est pas si jeune, mais elle vient de perdre son mari et elle a un passé un petit peu sulfureux. Et elle est en quête de reconnaissance sociale et du coup, elle va faire des pieds et des mains pour devenir une des vendeuses au bazar de la charité. Et il y a aussi une très jeune fille qui a une vingtaine d'années, qui s'appelle Constance et qui vient de rompre ses fiançailles. Constance est quelqu'un d'assez tourmenté, c'est quelqu'un qui a des aspirations très fortes à la fois. Elle est prête à sacrifier beaucoup de choses pour sa foi. Et donc, en fait, le roman va raconter comment ces deux personnages en particulier et un troisième, qui est la petite sœur de Sissi, l'impératrice d'Autriche, comment ces trois personnages vont traverser le feu et quel effet ça va avoir sur leur vie, de quelle manière ça va bouleverser complètement leur destin. Je me suis intéressée à cette histoire en lisant il y a 10 ans les faits divers d'époque dans le journal Libération. Il y avait des faits divers, il parlait justement du bazar de la charité, il y avait une dizaine de lignes et ça m'a tout de suite intéressée. Tout de suite, je me suis dit, je vais écrire une histoire là-dessus. Et à partir de là, heureusement pour moi, j'ai pu avoir accès à une espèce de mine d'or qui est la banque de données de Gallica, la banque de données numérique, qui me permettait d'avoir de chez moi accès à toutes les archives de la presse de l'époque, des archives sur toutes sortes de documents, des pompiers au duel, à l'hystérie, toutes sortes de sujets, la tuberculose. Et en particulier, la presse d'époque était extraordinaire. C'était une source d'informations fabuleuses parce que c'était très très bien écrit. Les journalistes d'époque sont vraiment des plumes. Ils ont un point de vue très tranché sur les choses. C'est un régal de les lire. Et ils ont, et ça a été quand même, cet événement a couvert, a été le premier sujet d'actualité pendant plus de 3 semaines à Paris. Tous les jours, tout le monde s'arrachait les journaux. Et il a eu le retentissement à l'époque du Titanic. Il s'attaquait, enfin,
il touchait le même genre de personnes, c'est-à-dire des gens très nobles, en temps normal inaccessibles, qui tout à coup s'étaient retrouvés pris dans ce fait divers. Et beaucoup étaient morts, beaucoup étaient mortes, essentiellement des femmes. Et il y avait aussi, bien sûr, des pauvres qui attiraient moins l'attention que la duchesse d'Alençon. Alors, mon roman s'appelle « La part des flammes ». La part des flammes, c'est une expression des pompiers qui, quand ils arrivent sur les lieux d'un incendie, doivent déterminer la partie qu'ils ne pourront pas sauver et qu'ils vont devoir laisser brûler pour sauver le reste. Et donc, il y a évidemment un sens propre et c'est aussi, bien sûr, une métaphore. Tous mes personnages passent à travers ce feu comme à travers une épreuve initiatique qui va les aider à renaître, à condition d'accepter de laisser brûler en eux certaines choses.